Bonjour, heureux de vous retrouver une deuxième fois. Je vous ai fait une promesse la dernière fois, vous vous rappelez. C'était comment faire de l'auto-hypnose. Comment vous pouvez vous détendre si vous êtes seul. Et si vous voulez pas payer de l'argent aussi pour un hypnothérapeute. Alors, comment on va faire de l'auto-hypnose si on est seul? Alors bien sûr, c'est de vous mettre à l'aise, comme ceci. Et puis, choisissez un objet dans votre bureau, dans votre pièce, dans le sens où vous êtes en train de regarder au moment. Bon, par exemple, pour moi, j'ai fixé une partie du mur. Alors, le but de l'opération, c'est une focalisation. Donc, on va focaliser sur un objet déterminé. Et quand je focalise sur cet objet, ben, je vais me dire intérieurement aussi qu'en regardant cet objet, qu'en focalisant sur cet objet, ben, en même temps, je suis en train de voir trois objets avec dans le même champ visuel. Donc, je suis en train de voir mon objet hein, que j'ai choisi et je vois la première chose avec cet objet. Je regarde toujours cet objet, je vois la deuxième chose, je regarde cet objet et je vois la troisième chose. Maintenant, en fixant toujours cet objet, cette fois, je vais entendre trois sons en fixant toujours cet objet. En fixant cet objet, j'entends le premier son. Ça peut être, si vous avez une bonne musique, vous pouvez la musique douce, vous pouvez la lancer. Hein. Vous êtes en train d'écouter cette musique, hein, ce son. En fixant cet objet, vous entendez le deuxième son. Bah, peut-être même tout ce qui se passe dans votre bureau, à l'extérieur, peut-être même il y a des klaxons ou autres. Et en fixant cet objet, bah, vous entendez le troisième son, ça peut être même votre respiration, donc votre cœur qui bat. La deuxième fois, qu'est-ce que je fais? Bah, au lieu de voir trois choses, cette fois je vais voir deux choses. Donc quand je fixe cet objet, je vois la première chose. En fixant toujours cet objet, je vois la deuxième chose et toujours dans le même champ visuel. De même, en fixant cet objet, cette fois, je vais entendre deux sons. Choisissez les deux sons que vous voulez. Peut-être la musique, peut-être les sons de l'extérieur, peut-être le son de votre respiration, de votre cœur qui bat. Troisième opération, ben, je fixe l'objet. Et je vois une chose avec cet objet. Mais quand je dis je fixe, c'est-à-dire que mes yeux sont complètement absorbés. Et si vous arrivez à le faire, ce serait bien de ne pas clignoter vos paupières. C'est-à-dire vous fixez l'objet, mais vos yeux sont grandement ouverts. Même si vous avez des yeux qui sont un peu larmoyants, c'est pas grave. Ben, il suffit de faire ce geste, donc de les ouvrir complètement et de les remettre à leur place. Donc lorsqu'on a fait trois choses, 300, deux choses, 200, une chose, 100, ben, à un certain moment, on sent que nos paupières deviennent un peu plus lourdes. Ben, ça serait bien de les faire reposer et puis de dire à votre inconscient, de lui faire confiance, vous lui dites que, cher inconscient, je te fais confiance, et si tu le permets, bah, voudras-tu me réveiller dans 15 minutes? Voilà, c'est ce que je dis à mon inconscient, cher inconscient, je vais me reposer, je vais déstresser pour 15 minutes, et s'il te plaît, dans 15 minutes, tu me réveilles. Je vous dis à tout à l'heure. Les 15 minutes sont passées. Je vous donne rendez-vous
pour une autre technique assez simple pour vous aider dans la vie de tous les jours.